Long day in the sun. Said it's been a long, 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 long day in the sun. Finally evening comes, so me sit down round a back and read a book and hold a joy. Soon you know me not fi take no shot from no boy, cause me don't have a plan for them. And it no mean me a go say no man for them. Cause if a book them a read and a treat we like clown, who say we have to take it lying down? Salut et merci beaucoup car vous êtes déjà très nombreux à nous suivre sur YouTube, Facebook, Instagram. Et vos remarques et vos encouragements nous permettent d'avancer dans le projet. Et promis pour cette vidéo, il n'y aura plus de voilà. Voilà, 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 et voilà, voilà, et voilà, 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 voilà. J'avoue, j'en ai abusé. Aujourd'hui, je vais vous préparer un poulet au fromage d'estragon avec des tagliatelles de légumes. Mais avant ça, nous allons retrouver Cathy de la ferme Beauvois à Mévin qui va nous expliquer comment elle fait son délicieux fromage. Bienvenue à la ferme Beauvois à Mévin. Je me trouve avec Cathy qui va nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a comme activité au sein de sa ferme. Eh bien, c'est une ferme laitière. Avec la crise du lait, on s'est mis pour la vente directe. Alors je fabrique du beurre, du fromage, fromage à pâte dure, fromage frais, tarte à maton, tarte au riz, de la crème fraîche. Et qu'est-ce que vous avez comme race de vaches? Les pinoirs et pirou Holstein, des vaches à lait. Et maintenant on va passer à la fabrication du Saint-Paulin, c'est bien ça? Oui. La boule de Blanche-Pierre. La boule de Blanche-Pierre. Qui est la recette de base du Saint-Paulin. Vous voyez que le fromage est prêt maintenant? Bien, d'abord au trait, on met le lait, puis la présure, et après 30 à 40 minutes, en faisant la boutonnière, comme on dit, voilà, ça va se refermer, donc le cahier est bien là, on peut faire la découpe du fromage. Voilà, maintenant je vais enlever le sérum, je vais enlever la moitié du sérum de la cuve, et puis on va remettre de l'eau à 40% pour le laver. Cette fois-ci, je fais aux orties. Alors, qu'est-ce que vous avez comme autre variété de fromage? Nature, orties et mélange italien. Et donc ici, c'est une étape importante parce qu'il ne faut pas traîner pour les mouler, c'est ça? Voilà. Et pour faire un fromage comme celui-là, il faut combien de litres de lait? 10 litres pour 1 kilo, donc ici 20 litres, 20 bons litres. Bien voilà, après 3 heures dans la presse, je vais les mettre 6 heures dans l'eau salée et puis sur la planche, on attend pendant un mois. Celui-là à 15 jours, un mois et un mois et demi. Et nous avons ici les fromages frais aux différents goûts, paprika, ail fines herbes, échalote, thym, miel, saveur jardin. Alors ça, c'est les petits mévinois, d'accord. C'est un fromage frais. Ok. Et quand l'autre fromage repose sur la planche, il faut le brosser? Il faut le brosser tous les deux jours, le retourner, comme ça pendant 15 jours, puis on le laisse comme ça et on le retourne tous les deux jours. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Bonne continuation. Voilà, moi, j'ai ce qu'il me faut, je file cuisiner. Alors pour cette recette, nous allons avoir besoin de courgettes, de carottes, de beurre, de sel, de poivre, de yaourt, de fromage frais, d'ail, d'estragon et de la poitrine de poulet. On va commencer par couper un éclat d'ail et on va le couper très finement pour pouvoir préserver les saveurs au maximum. Voilà, on découpe très fin, le plus fin possible, avec un couteau bien aiguisé pour garder le maximum de saveur, que ça fonde bien dans le fromage frais, que le goût de l'ail se diffuse au maximum dans le fromage. Je vais retirer les feuilles des branches de mon estragon frais et je vais pouvoir lâcher grossièrement. Alors, je vais rajouter mon fromage frais. Alors ici, j'ai pris du fromage frais entier. On peut utiliser aussi du allégé si on veut faire quelque chose, une recette plus diététique. Là, j'ai mis 5 grosses cuillères. Je vais rajouter du gros sel, du poivre,
et je vais mélanger. On va laisser reposer ça au frais pour que toutes les saveurs de l'estragon et de l'ail se diffusent bien dans le fromage frais. Alors, je vais prendre une feuille de brique que je vais plier en deux. Et pour m'aider à faire une belle forme à beau cône, je vais prendre de l'aluminium. Je vais en faire une boule et je vais venir l'enrouler autour, comme ceci. Voilà, ça forme un beau cône et l'aluminium permet de le garder dans sa position. On le met sur une feuille de cuisson et on l'enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés pendant plus ou moins 3 minutes. Toujours avoir un œil sur le four parce que ça cuit très vite, il faut juste le dorer et pas le brûler. Voilà, maintenant qu'il est cuit, on va retirer l'aluminium et on voit que ça tient bien sa forme. Voilà, et on va pouvoir le mettre de côté pour mettre notre tagliatelle de légumes par après. Alors, on va faire fondre notre beurre dans une poêle chauffée à blanc et un filet d'huile pour pas brûler le beurre. Et quand le beurre est bien doré, on peut venir avec notre filet de poulet. Et on va assaisonner de sel et de poivre. Et maintenant qu'il est bien saisi, on va le retourner. Voilà. Réassaisonner. Et finir la cuisson à feu moyen. Voilà. Alors, je vais préparer mes légumes. Je vais commencer par éplucher ma carotte. Couper les extrémités. Et je vais faire mes tagliatelles de carottes. Alors, en mettant de l'économe, je fais comme ceci. Voilà. Et en appuyant plus fort ou moins fort, on peut gérer l'épaisseur des tranches. Alors, pour garder plus ou moins la même épaisseur de tagliatelle, on va tourner la carotte au fur et à mesure et aller jusqu'au cœur de la carotte. Voilà, il nous reste un côté. Et on fait la même opération avec la courgette. On prend un beau côté, le plus plat possible. On coupe une première tranche et on vient faire nos tagliatelles. Je vais ciseler mon persil et le rajouter à mes tagliatelles de légumes. Et on va pouvoir passer à la cuisson des légumes. Et je vais pouvoir venir faire sauter mes tagliatelles de légumes dans une poêle avec un beurre bien chaud. Voilà, notre viande est cuite, elle a bien caramélisé, on va pouvoir passer au dressage. Alors, pour le dressage, on va reprendre notre corne d'abondance et on va venir la remplir de nos tagliatelles de légumes. Et on va en laisser tomber un peu sur l'assiette. On prend notre filet de poulet et on peut venir napper avec le fromage d'estragon. Et je vais finir par mettre un peu d'estragon frais sur le dessus, comme ceci. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à continuer à partager, à commenter, envoyez-nous vos impressions et à bientôt pour une nouvelle recette. Quoi ? Non ? Bah non, j'ai pas dit voilà. J'ai dit voilà. Non, c'est pas une recette de régime. J'ai dit tout à l'heure, il pouvait utiliser du fromage maigre si vous voulez faire une recette allégée. Maintenant, je vais dire... Vous pouvez faire qui ? Votre poulet, voilà. Si vous